Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, à ma prière devant toi s'élève. Seigneur, je t'appelle, vite viens à moi, écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens, et même pour l'offrande du soir. Établis, Seigneur, garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. À ma prière devant toi s'élève comme l'encens et même pour l'offrande du soir. Gloire soit au Père et au Fils et gloire Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens et les mains pour l'offrande du soir. Façonné par la parole du Seigneur, passé au crible de sa passion, et désormais revenu de toute peur, apôtre de Jésus, pour son Église, vous êtes pierre de fondation. Oh, rien n'ébranle l'assise. Mais de vous, il fait encore ses ouvriers. Il se remet lui-même en vos mains. L'architecte, le maître de chantier, devient sagesse plus folle que le vent. L'esprit souffle sur vous, homme du large, jetez en nous le désir de Dieu et relancez votre marche. Avec moi, vous avez tenu dans l'épreuve. Alléluia. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
dit devant tout son peuple, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi, tu brisas les chaînes. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Puis devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Avec moi, vous avez tenu dans l'épreuve. Alléluia. Les apôtres, Seigneur, ont passé par la tristesse, mais tu les as revus et leur cœur s'est réjoui. Alléluia. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Amène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Ils sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tes apôtres, Seigneur, ont passé par la tristesse, mais tu les as revus et leur cœur s'est réjoui. Alléluia.
Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs. Je vous ai confié les secrets de mon Père. Alléluia. Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs. Je vous ai confié les secrets de mon Père. Alléluia. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs. Je vous ai confié les secrets de mon Père. Alléluia. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs. Je vous ai confié les secrets de mon Père. Alléluia. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire et de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs. Je vous ai confié les secrets de mon Père. Alléluia. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs. Je vous ai confié les secrets de mon Père. Alléluia. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Je vous appelle, mes amis, je vous ai confié les secrets de mon Père. Alléluia. De l'Épître aux Éphésiens. Les dons que le Christ a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les ministres de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et à la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ.
Antienne Magnificat, je veux la miséricorde et non les sacrifices. Je suis venu appeler les pécheurs. Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meum. Ia respexit humilitatem ancile suae, et genim ex hoc beata me dicent omnes generationes. Ia fecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenie dimentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui. Deposuit potentes de sede, et exaltabit humiles. Est studientes in plebis bonis, et tibit est invisit in anes. Suscepit Israel puerum suum, ricordatus misericordiae suae. Sic ut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Prenons appui sur la foi qui nous vient des apôtres et prions Dieu pour son peuple saint. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Père, tu as voulu que ton Fils ressuscité se manifeste à ses apôtres. Fais de nous les témoins de sa résurrection. Souviens-toi. Toi qui as envoyé ton Fils porter aux pauvres la bonne nouvelle, donne-nous d'annoncer l'Évangile. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils semer la parole, envoie des ouvriers à ta moisson. Toi qui as envoyé ton Fils réconcilier le monde avec toi par son propre sang, fais de nous des instruments de paix. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as fait asseoir ton Fils à ta droite dans les cieux, accueille nos morts dans la joie du royaume. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre.
ta miséricorde inépuisable, Seigneur, tu as choisi le publicain Matthieu pour en faire un apôtre. Donne-nous par sa prière et à son exemple de suivre le Christ et de nous attacher à lui fermement. Lui qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.